Salut tout le monde, c'est Marc de Motion Nation. Aujourd'hui, on est chez nos amis de chez Vélo Optimum, puis on est présentement avec le copropriétaire Jeff Sévigny. Jeff, salut, salut madame, ça va? Yes, très bien toi. Ouais, super. Jeff, justement, on va faire, moi puis toi, des petites capsules où on va présenter des produits, parce que toi, tu as quand même une force là-dessus. T'as travaillé là-dedans par le passé, je pense, chez nos amis de chez Popeye. Oui, un bon background avec Popeye qui donne en passant des excellentes formations pour le conseiller. Donc, ça m'a beaucoup servi à moi. Ouais. J'ai continué par la suite sur Internet à suivre quelques cours ici, par là aussi. Bon, c'est quelque chose que t'aimes et qui te passionne. Une passion. T'es un chercheur technique. Effectivement. OK. Fait qu'on va vous présenter des petits produits une fois de temps en temps comme ça. De un, surtout pour, mettons, quoi prendre ou quoi privilégier avant faire un effort. Oui, mais comme un supplément, c'est, ça le dit dans le mot supplément. Ouais. On va favoriser l'alimentation avant, pendant, on va essayer de moins pendant. Là. Puis après, pour le recovery, pour le post-workout, l'alimentation, mais il y a un temps aussi pour la prendre. Ou qu'à manger comment, là, c'est assez... Mais comme Jeff le dit, là, c'est l'alimentation pas mal le numéro un. Donc, ceux qui pensent qu'en prenant juste des pellules puis de la poudre, tout est magique, là, non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, aujourd'hui, on peut commencer avec une première, mon Jeff. Tout à fait. Tout de suite, en partant, là, on vient de le dire, l'alimentation first. Qu'est-ce qu'on peut rajouter si, mettons, les gens ont des lacunes ou des fois, tu sais, sont pris de court, ils savent pas trop quoi prendre de plus pour les aider, mettons, dans leur capacité physique puis des choses comme ça, avant un effort soutenu puis demandant? Ben, on va tenir compte qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà mangé un peu avant, deux heures, trois heures avant, des glucides, mettons, des pains, tout le monde connaît les glucides. Que ce lodage-là a été fait. Ouais. Une heure avant, on peut commencer à en prendre liquide, donc qui ne nécessite pas de digestion, avec un peu rajouter des électrolytes dedans qui vont être tout dépendant de la température aussi. Plus il fait chaud, plus on va transpirer, donc moins on va avoir d'électrolytes, il va falloir plus en prendre. Parce qu'on les élimine dans notre sueur beaucoup. Exact. Partant, oui, tout à fait. Ça, c'était pas chic, là, mais en tout cas, c'est pas grave. La sueur, c'est salé, donc c'est les électrolytes qu'on perd. Fait que c'est important de les remplacer si on veut bien. Le corps, c'est une belle machine, là, mais si on lui donne tout le fuel, l'énergie dont il a besoin, il va performer. Donc, oui, électrolyte en poudre, à avoir tout le temps sur nous pour. Moi, je vais parler pour en vélo. En vélo, c'est une gourde à l'heure. OK. Donc, à la course, toi, tu pourrais pas plus m'en parler. Ouais, ben nous, on a des Camelback, là, bien souvent, là, mettons entre 1 et 2 litres. Là. Bon. C'est une gourde, c'est à peu près 800 millilitres. Alors, donc, litres, ouais, tout à fait. Fait que ça, on se rejoint là-dessus. Okay. Là, je vais te faire essayer le mélange Jeff pour ta prochaine course. Ça, le mélange Jeff, il va nous raconter un peu c'est quoi. C'est un blend spécial. Ben, c'est avec beaucoup d'essais-erreurs que j'ai réussi à trouver ça, mais en lisant puis en l'essayant, on lit beaucoup qu'on brûle 50 à 60 grammes de glucides à l'heure. OK. Donc, j'en rajoute dans ma gourde 50 à 60 pour brûler. Je bois une gourde à l'heure. Donc, tu sais, j'ai le principe de j'ai une tank, elle est remplie. Je la brûle, mais à chaque gorgée que je prends, je garde ma tank pleine. Ah, donc, je vais tout le temps maximiser mon effort. OK. Avec ce ça que va être soutenu. Exact, tout à fait. Ce que je rajoute dedans, oui, j'ai des électrolytes, mais je rajoute des BCAA, qui sont une chaîne d'acides aminés, qui vont empêcher d'avoir faim ou, en tout cas, elle nourrit la masse musculaire, donc va empêcher le corps d'aller chercher son énergie. Dégrader la masse musculaire. Tout à fait. Okay. Puis je rajoute des glucides, pas de sucre, parce qu'on veut pas jouer avec le sucre, tu sais, l'insuline. Exact. Fait que tout ce qui fait que pancréas fait de l'insuline, on fatigue encore le corps, pas besoin de ça, on fait déjà un effort physique. Fait que ce qu'on est capable d'enlever, non, mais c'est parce que on parle de ça justement, le sucre, parce que bien souvent, ce que le monde oublie, c'est que quand tu es en train de faire un effort, il y en a qui se traînent. J'ai déjà vu, moi, dans des courses, je ne sais pas si vous autres, dans le domaine du vélo, c'est un peu pareil, mais il y en a qui vont se prendre toutes des choses de glucose, du chocolat, des choses comme ça. Ça, habituellement, ça fait quoi comme réaction? Ben, il y a un crash. Okay, parce que tu fais un pic. Oui, tout à fait. C'est une dose de sucre, ton corps dit hey, j'ai du fioul à brûler. Oui, oui. Après ça, ça redescend. Il y a un down. Puis là. Quand tu commences ça, faut qu'aux 15 minutes, 10 minutes, tout dépendant le corps, parce qu'on n'a pas personne le même métabolisme, faut que tu continues là-dessus. Fait que quelqu'un qui part avec il passe sa rate de bicycle avec un gel ou un sucre, et pendant toute sa run, il va falloir qu'il en prenne. Fait que c'est pas qu'il en prenne un machin. Non. Nous, on dit, gardez-le dans votre dos, dans votre jersey, dans le gilet, dans le rein. Puis si vous avez vraiment, vous savez qu'il vous reste 10 km, 15, 5 km à courir, il fait chaud, vous avez commencé à manquer de gaz. Oui, là, un gel, ça fait du bien. Une dose vers la fin des affaires. Vers la fin, oui. Pour s'aider, là. Exact. Pour finir une run, ça, c'est parfait. Mais tu commences pas par ça. Non, vraiment pas. D'autant qu'on a parlé d'alimentation tantôt, on a commencé plus de bonheur avec l'alimentation. Ouais. Donc, on a rempli la tank pour continuer avec la gourde, le camelback. Puis l'autre, si vraiment on a donné
tout ce qu'on avait. Lui, il va venir en renfort pour finir la course. J'imagine que vous autres, c'est un peu comme nous autres en course à obstacle ou en course tout court. On parlait tantôt de faire un load-up ou un carb-up, qu'on appelle communément. Ça marche un peu pareil de votre côté. Ça ressemble vraiment. Ouais, quelques jours. Quelques jours. Oui, avant, il faisait des semaines avant. Une semaine avant, c'est un peu trop intense. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver dans ce temps-là? Ben, tu vas arriver, tu vas prendre 3 ou 4 livres. Ça peut être bon, quelqu'un qui va aller faire un Ironman ou un demi-Ironman qui a pris 2-3 livres stratégiquement, ça c'est correct parce qu'il va aller dépenser, ça c'est sûr. Mais pour faire une ride de vélo ou une Spartan Race, on ne veut pas prendre 3 livres. Ben, surtout que c'est, mettons, la majorité des gens vont commencer par aller faire un 5 km, puis un 5 km, ben, c'est pas beaucoup là, quand même. Là. Tu ne perdras pas 3 livres que tu as pris. Non, tu ne brûleras pas ça. Non, je ne penserais pas. Fait que, oui, tu peux commencer la journée d'avant ou 48 heures avant de te loader un peu en glucides, puis bien t'hydrater, puis après ça, tout est sous contrôle. À part ton blend à toi qui est magique, là, on va essayer, puis j'ai hâte de vous redonner des nouvelles, justement. On va essayer ça à la Northman Race, moi et ma conjointe, puis ça va être Jeff qui va nous avoir... proposer ce blend-là. Quel autre genre de produit tu peux peut-être proposer aux gens pour justement avoir un bon... mettons quelque chose avant, puis quelque chose qu'ils peuvent peut-être traîner avec eux pendant. OK, cool. Avant, j'ai vraiment la betterave qui est notre gros vendeur ici. OK. La betterave, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va montrer l'oxyde nitrique, donc le NO3 dans le corps. OK. Fait que ce qu'elle va faire, ça va bien oxygéner le corps. Okay. Fait que le corps va, par la bande, par FM même, je te dirais, la pulsation va descendre un peu. Okay. Mais le corps va vraiment bien oxygéner. Là, Est-ce que c'est un vaisseau dilatateur? Oui, ou... okay. Vaisseau dilatateur. Tu ouvres tes vaisseaux, puis plus de sang circule, plus d'oxygène. Tout à fait, oui. Okay. Fait que les macronutriments, micronutriments vont mieux se transporter dans le corps. Fait que donc, va aider la performance. Okay. Ça a été prouvé, Hugo Hull, les frères Hamelin en patinage de vitesse l'ont essayé, puis sont même ambassadeurs de Beelit. Puis ne joue que par ça. Puis pour l'avoir essayé, moi ma conjointe aussi, assez solide. Qu'on peut continuer l'effet aussi que si tu veux continuer pendant la course, tu ne veux pas boire, tu peux continuer l'effet avec la barre. OK. Vraiment la seule différence de la barre, c'est que ça prend peut-être un petit peu plus de temps à digérer. Oui, faut que tu comptes le temps de digestion de la barre pour avoir le droit. Plus avant. Ben, exact. Tu peux commencer avec le shot avant ta course une demi-heure. Tu vas, puis tu sais que l'effet dure à peu près 4 heures. Donc, après 2 heures que tu as pris ton shot, tu peux manger ta barre pour avoir l'effet qui va continuer de ta betterave. OK. Ouais. As-tu d'autres choses qui seraient pas pires aussi à traîner? On a les fameux jets et des choses comme ça? Oui. Mais... Ben, quelqu'un qui va faire plus d'endurance, puis mettons, je pense à Maryse de même. Elle a fait une ultra. Elle, ils ont mangé, tu sais, il faut qu'ils mangent des affaires qui durent 12 heures. Ils ont mangé Chronobar. Pourquoi Chronobar en particulier? C'est que la base de glucides, c'est les dattes. Ah, OK. Donc, sucré avec pas d'OGM, pas de peanut, sans gluten, whatever, tout. Okay. La barre à rosemary, elle vient vraiment bien pensée pour ça. Okay. Puis elle se digère super bien. Okay. Quand tu l'as dans le dos ou peu importe où ce qu'elle est. Elle n'est pas tout déformée, tout molle comme bien d'autres avec du chocolat ou des choses comme ça. Non, c'est ça. Elles sont vraiment bien pensées pour ça. Fait qu'elle en a fait une pour avant, pendant, puis après qu'il y a plus de protéines. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les chronobars, ça ressemble à ça. Vous en trouvez pratiquement partout. Chez ici, chez Vélo Optimum, vous en avez quand même toutes les sortes, ou presque, pour avant, pendant, après. Elle a 6 sortes, Elle a 2 saveurs avant, 2 saveurs pendant, puis 2 saveurs après. OK. Après, quoi? Il y a plus de protéines, comme on va sûrement plus de protéines après. Prochaine. Pour récupération, ça prend plus de protéines. Une protéine végétale à base de protéines de petits pois. Petit pois. Ça fait pas péter, ça? J'avais oublié, avant aussi, effectivement. Puis il y avait le XRCL, que lui, c'est un gel... intelligent, je dirais. Mais c'est un gel, mais qui est quand même liquide C'est visqueux un peu, Ouais, ça ressemble à une huile. Ouais, c'est ça. Fait que ça, on peut prendre la moitié. On le voit mieux. Oui, prendre la moitié d'une bouteille ou une bouteille selon le gabarit ou l'effort qu'on va avoir à faire. OK. Puis lui, va aller se loger dans le petit intestin. Puis à l'effort, quand la thermogénie du corps va monter, le corps est à l'effort, va envoyer une dose de glucose. Ah, OK. Donc, je pourrais l'appeler quasiment, que je disais intelligent, c'est pour ça. Oui. Fait que aussitôt que lui, le corps va être à l'effort, pouf, va envoyer une dose. Fait que au lieu d'avoir les pics, comme tantôt on parlait du sucre, fait que c'est un glucose intelligent. Qui est comme lent, qui est à libération graduelle. Là. Tout à fait. Okay. C'est pas naturel, pas une minute. Là. Ça a été fait en laboratoire juste à un moment pour donné, ça. C'est un supplément. Ça le dit, c'est une béquille pour aider des fois quand il manque des choses. Et voilà. Ensuite, pour continuer pendant, on parlait de gel, à base de sirop d'érable, les Ricard, les Bricks, qui est refermant pour 2 portions. Mon petit nouveau qui est au miel, miel avec un peu de caféine. Il y en a qui n'aiment pas les gels, ils aiment plus les genres de pâtes, les pâtes de fruits, fruits 2, fruits 3 avec la caféine, puis à l'érable, sont vraiment des gros vendeurs. J'ai des capsules d'électrolytes.
Il y en a qui ont peur d'en manquer okay. ou qui sait qu'ils vont faire très chaud dans leur événement. Ben encore là, faut pas t'oublier, si c'est en capsule, faut que tu laisses le temps au système oui. de digérer parce que la caplette, faut qu'elle se défasse à quelque exactement. Part. Exactement, okay. ouais, c'est ça. Pickle juice, c'est le oui, oui, ouais. le jus de pickle. Ça d'ailleurs, Jeff de Beat It oui. nous en avait remis. J'ai goûté à ce petit jus-là. Je vous dirais, niaiseusement parlant, là, tantôt on comparait avec le Beat It, ça goûte, c'est un jus de betterave. Hein? Moi, à mon goût, moi, j'ai eu plus de difficultés avec le jus de betterave qu'avec le pickle juice. Ouais. Bizarrement, pourtant, on pourrait penser le contraire. Tu dis du jus de pickle, c'est space un peu. Uh-huh. Et pourtant, lui, je trouve ça mieux. Je sais pas si c'est le goût salé ou vinaigré, je sais pas trop. T'es pas mal un des seuls qui pense ça. Bon, ben, mais tu sais, jus de pickle, moi, pickle, ça va avec un smoked meat, mais... En tout cas, anyway, pour l'avoir essayé puis avoir ouais. crampé, on a des tests sur moi, on a des chums qui l'ont essayé aussi pour le triathlon, des ci, des ça. Ça va avec le gabarit, tu sais. Un va y aller pour une personne à peu près de 150 à 160 livres, je te dirais. Ouais. Puis pour être certain, en haut de ça, il y allait à deux bouteilles. OK. Puis là, après ça, le temps que la crampe va arrêter, ça, c'est spécifique à chaque métabolisme aussi. Là. OK. Mais tu sais, à la base, quelqu'un qui crampe, il y a un débalancement d'électrolytes. Fait okay. qu'il y avait-tu mal hydraté avant de partir? Où il y a vraiment forcé, intense. C'est ça une crampe dans le fond. Ben, c'est parce qu'une crampe, c'est beaucoup d'affaires. Même que j'ai lu des études dernièrement, puis ça disait que c'est assez quand même partagé. Les causes réelles, là, officielles de la crampe en tant que telle. Ouais. Ben oui, on l'a dit, l'électrolyte, ça peut être les différences de température des fois, surtout quand tu as des coureurs comme les triathlons ou Ironman. Pensez à Ironman ou ce qui s'en va dans l'eau qui est plus froide, changement de température, ça jamme. Yes. Puis c'est pas faux de penser ça parce que oui, ça se produit souvent dans ces occasions-là, mais apparemment que c'est pas nécessairement officiellement ça. Non. Fait ça peut être un mouvement répété comme j'ai un nageur que lui, il pointe. Quand il fait son... oui, ben, quand il pointe ses pieds, il crampe dans le mollet. Ah ben oui, il n'y aura aucune crampe en courant sur le vélo. Salut Yann. Fait que, à la natation, lui, en pointant, c'est peut-être une meilleure technique qu'il va falloir qu'il apprenne en nageant. Mais il l'a essayé et il m'a confirmé que ça marchait très bien. Moi, je ne l'ai pas essayé encore officiellement. Puis ça arrive des fois que je fais des crampes. On ne veut pas l'essayer. Mais non, c'est ça. Le but, c'est d'avoir à ne pas le faire. Mais... Mm. Apparemment que ça se passe quasiment. Quand on prend un jus de pickle, apparemment que l'effet de la crème se dissipe quasiment instantanément dans quelques secondes. Tu veux? Ben, j'ai eu un rebound de Pat, le conjoint à Maryse, qui ont fait l'ultra-bise la semaine passée aux États-Unis. Puis lui, ça lui a pris 5 minutes. Ah, OK. Mais tu sais, ça a marché parce qu'il m'a dit que j'avais deux quads dans le ciment. Ça a pris 5 minutes. Là. Fait que, tu sais, il était vraiment déshydraté à côté. Là. OK. Ben, je pense. Je n'étais pas sur place. Ben, puis, c'est un nouveau produit aussi. Là, t'sais, on dit pas. T'sais, t'as tantôt dit des affaires magiques. Ben, il n'y en a pas vraiment. Mais des fois, c'est des béquilles. C'est pour eux s'aider. Là. Oui, puis eux autres, ultra, ça le dit, c'est une course. T'sais. Fait que t'as pas le temps d'arrêter et de te masser. Fait que ça peut t'aider à faire sauver du temps, du précieux temps. OK. C'est le fun pour ça. OK. On dit pas que ça marche à... Ben oui, c'est supposé de marcher à tout coup, mais... Oui, c'est ça. Allez, gars. Ouais. Hein, c'est pas une science exacte tout le temps. Mais voilà. Puis, mettons, après un bel effort de même, on a, on a fait du vélo pendant 8 heures, on a couru dans le bois pendant 8 heures. Ouais. On prend quoi après là, pour essayer de remplir la machine une fois qu'on l'a vidé assez correct? Ouais. On parlait de protéines tantôt. Ouais. Moi, je suis fervent de protéines en poudre et de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de digestion encore. J'ai pas d'appétit après avoir fait. Une fois que j'ai fait le challenge des Bleuets, c'est 6-7 heures de vélo intense à 30 km/h. Il fait chaud. Demande-moi pas d'aller manger un spaghetti ou. Ça rame pas. Non, ça veut pas. Fait que je vais commencer avec un shake en moyenne 30-40 grammes de protéines pour aider le corps à faire. Qu'il reçoit plus vite. Là. Oui, c'est de l'eau, c'est de la poudre. Quasiment pas de digestion, donc c'est facilement assimilable. Après, une heure après, là, je vais avoir l'appétit, y aller avec de la protéine, puis glucides aussi pour monter la réserve de glycogène qu'on a brûlé dans l'effort. Ça, justement, là, dans les chics, dans la protéine, encore une fois, c'est un très, très large marché. Il y a beaucoup de produits. Tu as les fameuses ISO, tu as la Whey normale, tu as plein de choses. Tu conseilles quoi, mettons, après, là, selon les budgets? Parce qu'évidemment, il y a une question de prix pour tout. La Whey, c'est la plus abordable. Ouais. Mais encore là, quelqu'un qui a des intolérances au lactose, il faut que tu tombes avec l'isolate. L'isolate, c'est qu'ils ont justement isolé. Fait que le lactose est sans lactose, ça le dit. Ouais. En tout cas, fait que encore là, comme ma conjointe a des intolérances au lactose, puis même la ISO, ça marche pas pour elle. Fait que, tu sais, il faut qu'elle aille plus vers une protéine végétalienne ou encore là, protéine animale. OK. Protéine de bœuf. Oui, exact.
Il y en a tellement sur le marché que ça serait dur qu'une à dire qu'on a des préférences, c'est sûr, là, parce que le goût, il est pour quelque chose. Parce que oui. Après 8 heures, tu sais, ça a été fait, je dirais pas le mot, là, mais tu sais, avoir... Oui, oui, t'as donné tout ce que t'avais. Oui, ou... ça me tente de boire de quoi qui est bon. C'est comme une petite récompense, là, fait que j'ai des marques privilégiées que le goût est vraiment sa coche, puis le nombre de protéines versus le nombre de grammes de glucides. Oui, exact. Parce que les deux vont quand même de pair, là, je veux dire, c'est pas juste une protéine, c'est important d'avoir les glucides pour ramener justement la protéine. Au muscle plus vite. D'où le lait au chocolat, là, qui est fameux, parce qu'il est accessible, il est ici et ça, sauf qu'il n'est pas complet. Il manque des choses. Tu pourrais mettre de la poudre de protéines dans le chocolat, puis je pense que tu upgraderais ton post-workout vraiment. Oui, bien, on en parlait tantôt, tu as des marques aussi comme Muscle Milk qui font un peu ce genre de blend-là. Oui, distribué à store par Pepsi. Ah, OK, ça l'est. Jeff est en train de passer à peine vie de ses contacts. Alors, prenez des notes. Alors, Jeff, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, toi? Oui, ça va comme ça. Fait que ça ressemble à ça. Si vous voulez, justement, vous donner un petit coup de pouce autant avant, après, puis pendant, pour vos gros efforts. Là, on parle pas des choses. Comme tantôt, on parlait, c'est peut-être pas toujours nécessaire pour avoir un... Comme nous autres, en course obstacle, pour une course de 5 km qui est plus ou moins sur le plat, des choses comme ça, ou des petites sorties à vélo, quasiment randonnées. Ouais. C'est peut-être pas nécessaire. Privilégiez encore une fois votre assiette, ce que vous mettez dedans. Et voilà. Tu sais, pour une run de vélo du Nord, gourde d'eau, là, ça va être bien correct. C'est ça. T'es même pas obligé d'additionner de autre chose en tant que tel. Non. Ça dépend, comme tu disais, de la température, peut-être. Effectivement. Si il fait 30, peut-être que là, tu peux acheter l'électrolyte. Ou gourde d'eau, c'est ça. Alors, c'est ça. Fait que nous autres, on va revenir les prochaines fois. On va vous reparler d'autres choses. On va vous donner des trucs. Fait que c'est ça, la gang. À la prochaine, mon Jeff. Merci beaucoup. Sir. Encore une fois. Yes. Bonne journée. Salut.